Cyril Hanouna était d'humeur à jouer dans le 6 à 7 ce mardi 11 octobre. L'animateur star de C8 a renouvelé un jeu déjà dégainé la veille. Le jeu des oies. Les chroniqueurs ont croisé tout ce qu'ils pouvaient croiser pour ne pas être désignés par leur chef. Pour aller donner un mini-concert dans la rue déguisé et costumé comme Lara Fabian. Mais il fallait bien un perdant, et c'est Benjamin Castaldi qui a finalement été désigné pour exécuter cette mission. Dans une robe moulante rouge, avec une perruque blonde du meilleur effet, le très baraqué papa de Gabriel a pris place sur un podium de fortune à l'extérieur du studio. Là, il a enchaîné les poses plus ou moins gracieuses, en faisant mine de chanter « Je t'aime » de Data Link People égale à premier 4F6109C22BA4FA4 8844 4431 644263e oui Lara Fabian. Quel ringard, mais quel ringard, je l'adore s'est moqué Cyril Hanouna évoquant le Lara Fabian. Un jeune homme s'est approché de lui pour le prendre en photo. Demande-lui son prénom a exigé Cyril Hanouna. Avant de lui faire également préciser son nom de famille, je m'appelle Ramacho. Point. Chocolat a-t-il lancé. Il n'a fallu qu'une seconde à Benjamin Castaldi pour comprendre le piège mis en place par son boss. Il a fui le podium, non sans avoir été tout de même, copieusement éclaboussé par du chocolat chaud renversé de la fenêtre au-dessus du podium. Bras recouverts du liquide sucré, Benjamin Castaldi a pénétré sur le plateau l'air pas commode pour en découdre avec Cyril. Mais ce dernier a immédiatement taclé son chroniqueur torse nu, « Frérot quand tu viens sur le plateau mets un soutien-gorge » lui a-t-il balancé. De quoi inciter Benjamin Castaldi à faire demi-tour sans demander son reste. Ça c'est fait.